me gêne pas qu'elle parle de moi. Je vous dis que ce qu'elle dit, j'aime pas ce qu'elle pense. Elles disent des choses méchantes pour attirer Voilà, l'attention des exactement, journalistes. Mais au fond, exactement. c'est pas ce qu'elles pensent. Parce que quand je leur entends dire que dans la relation entre Mayam Sœur, c'est moi qui parle le plus de Mayam Sœur et moi aussi, je dis, mais elles sont des menteuses. Il n'y a pas un live où Mayam Sœur ne parle pas de moi. Il n'y a pas 2 jours, elle a fait une sortie, elle est allée au Cameroun, où elle a fait des. J'étais très content de son live où elle a parlé de moi avec beaucoup d'amour. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'est pas Voilà. moi qui parle. Pourquoi ils ne font pas un commentaire là-dessus? Comprenez qu'elles sont là dans l'optique de détruire, donc de semer la panique et de semer le doute dans la tête des personnes. Ça, c'est une stratégie. C'est une Lolo, stratégie. Lolo, Attends, parce que je vais un peu essayer non, je d'élever coupe, les. non, Parce je qu'il y a te les coupe gens qui pas. peuvent tomber dans ce piège-là. Mais C'est important de c'est leur pour ça que dire. j'avais dit, Lolo, il n'y a que Tayamsen et toi. Si c'est l'œuvre du décryptage là et analyse là, tu comprends, non? Que si les gens tombent sur ça, c'est que forcément, il n'y Non, a parce que que parfois les bonjour, bon matin. C'est souvent c'est parfois parce qu'il faut faire attention. Il y a des followers qui peuvent avoir le doute dans leur tête, hein, mais oui, où mais tu c'est ce vois. que j'ai Mais dit. voilà ce que j'ai dit. Donc, j'explique à celles-là qui nous suivent que chacune a sa team. J'ai, tu sais, dans les découpages, tu écoutes parfois même celui que tu n'as pas envie d'écouter, hein, dans les découpages. J'ai écouté la saleté là dit que Mayam Sœur a dit que elle aura un billet de Paris. Elle a 2 billets de Paris, c'est germain. Et elle réserve ses billets là pour ses abeilles. Mais vous êtes tellement bêtes. Je te Vous dis voulez que. qu'elle réserve. Attends, pastor. Et tu voulais qu'elle réserve les billets là pour qui? Je te dis. Elle a sa team. J'ai la mienne. Elle a Voilà. ses abeilles. On n'a pas fait la réunification. On a fait une réconciliation. Réunification veut dire quoi? Quand le Cameroun, à l'époque, le Cameroun, quand on dit qu'elle a fait la réunification du Cameroun, c'est que les Voilà. Camerounais étaient divisés. Il y avait 2 Camerouns. Il y avait le Cameroun du côté de Limbé, Oui. Bamenda et tout ce qu'il y a. Il y avait le Anglophone, côté anglophone, anglophone, il y avait le côté francophone. Donc, ce francophone. qui fait qu'il y a eu la réunification des 2 Camerouns. Et à Mayam Sœur, ce n'est pas les abeilles qui se sont divisées et qui se sont réunies. Non. Mayam Sœur a ses abeilles. Moi, j'ai mes Loulomania. Donc, nous sommes en bon terme. Nous avons enterré la rage de guerre. Nous ne sommes plus en guerre. Et nous avons demandé à nos followers, elle a demandé aux abeilles de déposer les armes. Elle a demandé aux Lomanias de déposer les armes. Il y a les Lomanias, certes, qui ne sont pas encore d'accord de cette paix, qui n'ont pas encore peut-être digéré ce qui s'est passé depuis de nombreuses années. Il y a les abeilles aussi qui n'ont pas encore digéré. Mais on leur laisse le temps de digérer. Et maintenant, je vais vous expliquer. Soyez très attentifs à ce que je vais dire là maintenant. Maintenant, les abeilles qui se sont un peu, qui ont encore du mal à accepter, les Lomanias qui ont encore du mal à accepter, ils sont dans leur coin, ils observent, ils regardent nos 2 comportements, ils regardent comment, où va aller cette réconciliation. Ils nous donnent peut-être, ils se sont donné un temps, le temps Voilà, pour eux exactement. d'analyser et de voir s'il y a du sérieux entre Yam Sœur et moi, si cette amitié est vraiment, cette réconciliation est vraiment sincère, si elle n'est pas stratégique. Et maintenant, ceux qui sont à l'autre côté, ceux qui cherchent à récupérer ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont encore du mal à accepter, utilisent leur blog ou dans la stratégie pour mettre le Caressez vos doute jolis dans la doigts, tête, caressez vos jolis doigts. Lolo parle quand même, c'est sérieux. pour mettre le doute dans la tête de ceux-là qui ne sont pas encore, d'accord entièrement dans cette réconciliation-là. Alors, leur sortie, c'est de récupérer ces personnes-là et de les mettre auprès d'eux et créer une communauté derrière derrière nos followers qui sont pas encore. Ils nous aiment, ils nous adorent, mais ils sont pas encore partants pour cette paix-là parce qu'ils ont peur que ça peut recommencer, cette guerre peut C'est normal, recommencer. c'est normal, Certaines Lolo, c'est familles se sont normal. donné un temps que bon, on va le regarder, on va observer même pendant 6 mois. Et d'autres, qu'est-ce qu'elles font? Stratégiquement, elles veulent faire passer parce qu'elles savent que Mayam Sœur, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu. Mayam Sœur, c'est quelqu'un, bon, qu'elle sait, voilà, elle fait ses trucs.
Maintenant, elle s'agrippe sur moi. Bernard Junior, big up. Genre, pour mettre une rivalité entre nous, genre pour dire que Mayam Sœur me domine, genre pour dire que Mayam Sœur me rabaisse, genre pour dire que c'est moi qui parle plus de la paix, je suis désolé. Je parle de la paix comme Mayam Sœur parle de la paix. Hein. C'est partagé. Peut-être vous voyez ça de votre façon. Mais pour dénigrer Lolo, quoi. Mais ce n'est pas ce qu'elles pensent, mais c'est une stratégie qu'elles ont mis en place. Il ne faut pas les écouter. Mayam Sœur, moi, c'est une affaire de respect. Et tu n'as pas, elle cherche une reconnaissance auprès de Mayam Sœur. Je peux vous rassurer qu'elle n'en a rien à foutre de vous. Hein. Et Lolo, moi, par contre, j'ai même... Il faut souligner que...